En ce qui concerne l'entrepreneuriat, la gestion de ses clients est très importante. Mais sauf que lorsqu'on est entrepreneur, on a plusieurs catégories de clients et la façon avec laquelle on gère ses clients permet de définir s'ils achètent plus, s'ils achètent moins, est-ce qu'ils seront satisfaits ou pas, ou encore est-ce que nous allons pouvoir les satisfaire en quantité et en qualité. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de comment virer ses clients et se faire plus d'argent. Parce qu'il est important de comprendre que ce n'est pas avec tous ses clients qu'on fait de l'argent, ou encore ce n'est pas avec tous ses clients qu'on peut se faire une fortune. Alors il est important de pouvoir trier parmi ses clients qui sont ceux avec qui on travaille, qui sont ceux avec qui on arrête de travailler. Alors bienvenue sur cette chaîne, je suis Loïc Kamwa. Ici nous parlons d'agriculture, d'élevage et d'agrobusiness parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique passera par le développement de l'agriculture et de l'élevage. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne parce que chaque semaine, nous faisons des parutions pareilles pour mieux vous édifier dans la mise en place ou même la création de votre projet. Nous allons parler des clients, principalement avec la règle de Pareto qui est la loi des 80-20. Alors cette loi dit que 20% des clients vous font 80% de votre chiffre d'affaires et 80% de vos clients vous font 20% de chiffre d'affaires. La même loi peut s'appliquer à plusieurs domaines. On va vous dire que dans votre liste des choses à faire en journée, 20% des tâches que vous allez faire en journée seront responsables de 80% de votre productivité et 80% des tâches seront responsables de 20% de votre productivité. Si on y va parmi vos amis, vous allez vous rendre compte que sur 10 amis que vous avez, il y a 2 amis qui comptent le plus et le reste là, ils comptent peut-être pour 20% de l'amitié que vous avez avec eux. Alors même en entreprise, parmi vos collaborateurs, il y a cette masse critique-là. 20% des gars sont responsables de 80% du résultat en entreprise et les autres 80%, ils sont responsables de 20% des résultats. Donc, et pour finir, cette règle s'applique aussi même à la richesse. Donc la règle de Pareto dit que 20% de la population mondiale a 80% de la richesse et 80% de la population a 20% de la richesse. Alors, comment est-ce qu'on l'applique donc à l'entrepreneuriat si on a 20% de clients qui nous font 80% de notre chiffre d'affaires? Alors, la première chose à faire, c'est de se concentrer sur ces clients-là. Les 20%, généralement, ce sont les gros clients. Si vous êtes dans le cadre de la culture de maïs comme moi, ce sont les clients qui vous prennent 50, 100 tonnes, 20 tonnes et plus. Maintenant, les petits clients, c'est ceux qui viennent souvent au champ acheter un saut. Ils viennent acheter un sac, ils viennent acheter 4 sacs. Si vous faites dans l'élevage des poulets, par exemple, c'est ceux qui viennent vous acheter les poulets en gros 1500, 2000. Et ceux qui viennent, les 80%, c'est ceux qui viennent prendre 5, 10 et tout ça. Alors, quelle est la particularité entre ces deux groupes? C'est que les 20% des clients vous apportent le moins d'ennui que les 80% des clients. Donc, vous allez vous rendre que les gros clients, ce sont les gens qui payent plus, qui payent comptant, qui dérangent moins que ceux-là qui achètent des petits produits. Vous allez vous rendre compte que ce sont les petits clients qui sont exigeants. Ils veulent que vous les livrez à la maison. Ils veulent que vous les livrez nettoyés. C'est encore eux qui sont en train de discuter pour que vous les fassiez les prix les plus bas. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? La solution ici, c'est de virer les 80% des clients. Donc, vous faites une liste. Si vous faites 50 millions de chiffres d'affaires, regardez ces clients-là qui vous font les 30 ou les 35 millions de chiffres d'affaires. Le reste des clients, vraiment, virez-les. Ça veut dire, vous les appelez, vous les dites, à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie de nos clients. Ou encore, trouvez un moyen plus politique de leur dire que vous ne travaillez plus avec eux. Pourquoi? Parce qu'en vous concentrant sur les 20% des clients, ils vous feront encore plus de chiffres d'affaires. Et deuxièmement, en vous faisant plus de chiffres d'affaires, vous allez mieux les satisfaire. Et en les satisfaisant mieux, ils vont encore vous recommander les gens qui seront parmi vos 20% de clients. Et plus ils seront satisfaits, plus votre chiffre d'affaires va encore augmenter.
Et pour moi, le deuxième avantage, c'est que vous aurez plus de temps. Plus de temps pour vos clients, plus de temps pour votre business, plus de temps pour votre famille même. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 1000 clients qui ne sont pas des clients efficaces. C'est encore mieux d'avoir 200 clients dont vous êtes sûr que ce sont les clients où quand vous démarrez votre voiture, vous partez les voir, vous savez déjà que vous allez avoir un bon deal. Parce qu'il faut dire que la même énergie que vous dépensez pour avoir un petit client, c'est la même énergie que vous dépensez pour avoir un gros client. C'est un peu comme lors des crédits à la banque. Vous allez vous rendre compte que les mêmes procédures qu'il y a pour un crédit de 5 millions, c'est presque les mêmes procédures qu'il y a pour un crédit de 50 millions. Alors pourquoi ne pas dépenser votre énergie pour avoir un crédit de plutôt 50 millions et non un crédit de 5 millions? Pourquoi ne pas dépenser votre énergie pour avoir un client qui va vous faire 100 millions, 200 millions de chiffres d'affaires au lieu de vous dépenser pour un client qui va vous faire 10 millions, 20 millions de chiffres d'affaires? Donc voilà ce que j'avais prévu dans cette vidéo. Appliquez la règle de Pareto à tous les aspects de votre vie et surtout dans votre entreprise et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir plus de résultats, vous allez avoir plus de chiffres d'affaires, vos clients seront beaucoup plus satisfaits et vous aurez moins de stress à gérer. Alors, je vous dis donc, rendez-vous au sommet.